Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Narges Saïdan, je suis la représentante de l'OIF auprès des Nations Unies ici à New York. Et je suis absolument enchantée d'être avec vous et absolument enchantée de vous voir aussi nombreux ce soir et encore absolument enchantée d'avoir le privilège de cette discussion ou d'être témoin de cette discussion avec Yemen Nai aujourd'hui. Donc, je vais faire rapidement, puisque bien évidemment vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais je voudrais simplement partager avec vous un certain nombre d'informations relativement à l'événement de ce soir qui s'insère dans le cadre du Festival des cinq continents, qui est une première édition que nous lançons cette année dans le cadre du printemps de la francophonie qui est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie à New York depuis le 20 mars. Même si le printemps n'est pas là, nous avons quand même lancé le printemps et qui s'étendra jusqu'au 21 juin, ce qui nous donne amplement le temps de nous engager avec tous nos partenaires dans un certain nombre d'événements, que ce soit culturel ou un peu plus politique au sein des Nations Unies, puisque c'est notre vocation première ici à New York. Alors, le Festival des cinq continents se tient donc du 5 au 7 avril, et nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'inaugurer ce festival. Et je souhaite à cette occasion, évidemment, vous informer, vous confirmer tout le plaisir que nous avons à co-organiser cette première édition du festival avec le Centre de civilisation et de culture française de l'Université de New York, dirigé par le professeur Sarah Kay, avec le soutien inestimable de la délégation générale du Québec à New York et de la Florence Gould Foundation. Donc cette manifestation littéraire, comme je le disais, s'inscrit et est un des temps forts de notre printemps de la francophonie. Et vous avez tous reçu des petits documents où vous pourrez également vous référer à nos médias sociaux pour suivre l'ensemble des événements du printemps, ou en tout cas ceux qui vous intéresseront. Et l'initiative du Festival des cinq continents a été conçue dans la logique que nous avons souhaité aussi, et on en parlait tout à l'heure avec le professeur Sarah Kay, de voir s'approfondir les relations de l'OIF avec le monde universitaire américain, particulièrement celui engagé pour la promotion de la francophonie sur le terrain. Bien que notre dimension ou notre vocation primaire ici soit tournée vers les Nations Unies, nous avons souhaité tout de même développer un certain nombre de partenariats, et le partenariat que nous concrétisons aujourd'hui est pour nous l'un des plus importants partenariats que nous ayons, et nous y tenons beaucoup. L'OIF organise depuis 16 ans, et c'est là un peu l'idée du nom de ce festival des cinq continents, le prix des cinq continents de la francophonie, avec comme objectif de mettre en lumière des talents littéraires qui reflètent l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. Et dans les petits fascicules que vous avez eus sur vos fauteuils, vous avez un petit peu plus d'informations aussi sur l'OIF, parce que j'imagine bien qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur l'OIF, mais juste pour dire qu'il s'agit de 84 États et gouvernements membres qui sont disséminés sur les cinq continents, d'où le prix des cinq continents et d'où le festival des cinq continents que nous lançons aujourd'hui. Et nous avons évidemment l'honneur d'accueillir dans le cadre du festival Yemen Nai, qui est le lauréat 2017 du prix des cinq continents, pour son roman Lama Ardent, publié aux éditions Elisa de Tunisie. Yemen a reçu... Je ne vous appelle pas votre prénom parce que vous êtes jeune. J'ai l'excuse parce que vous êtes jeune. Mais Yemen Nai a reçu le prix Comar d'or, la plus importante récompense littéraire en Tunisie, pour son livre Lama Ardent également. Et il participera au festival aux côtés d'autres éminents intervenants, dont certains sont avec nous ce soir et que je salue au passage, en les remerciant d'avoir accepté notre invitation collective, si j'ose dire, pour ce rendez-vous. Donc Yemen Nai sera également demain à la librairie des Nations Unies et il se rendra dans quelques alliances françaises des États-Unis également pour présenter et discuter de son livre. J'aimerais aussi signaler, parce que c'est une initiative qui nous tient à cœur, que Yemen Nai a participé récemment à une initiative de l'OIF qui s'appelle « Réinventer l'école » et qui a résulté dans un ouvrage qui est une enquête auprès des enfants réfugiés
syriens au Liban pour témoigner de la situation des enfants réfugiés et des programmes que l'OIF met en œuvre pour leur venir en aide, particulièrement en termes d'apprentissage de la langue française, mais aussi d'éducation en général. Et donc c'est une belle initiative. L'ouvrage est en vente et voilà, et c'est un bel ouvrage avec des textes, notamment de Yamel Nery qui s'est rendu sur place et peut-être en dira un petit peu plus. Bah, en fait, tout ce qui va être encaissé de la vente des livres va être reversé aux associations qui travaillent avec sur les place. Enfants. Ouais. Absolument. Et voilà. Il a tout dit, je n'ai plus rien à dire. Juste pour finir peut-être en disant que ce festival des cinq continents, nous l'espérons, va nous amener à réfléchir sur les questions sur des questions que pose à différents niveaux la création littéraire francophone, puisque c'est également la logique du prix des cinq continents, et que avec la panoplie d'auteurs que le festival a rassemblé, nous espérons bien que ça va pouvoir effectivement se faire. Donc en conclusion, simplement pour remercier encore Yamel d'être avec nous, Philippe Ongar, auteur et archiviste audio, pour avoir accepté de conduire cette conversation avec Yamel Nery ce soir, et puis remercier bien entendu les collègues de NYU, le professeur Sarah Kay et Guillaume Parodi, avec qui nous avons beaucoup échangé nos bureaux ces derniers temps, ainsi que bien entendu la délégation du Québec. Et je ne saurais terminer sans remercier l'équipe de l'OIF qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour notre plaisir ce soir et dans les jours qui s'annoncent. Donc je suis très heureuse de passer la parole à Madame Sarah Kay, au professeur Sarah Kay, professeure et directrice au département de la littérature française et du Centre de civilisation et de culture française de l'Université de New York, et qui a plusieurs casquettes. Et à qui je passe avec plaisir la parole, Madame Kay. Merci beaucoup. En fait, ça a été un grand plaisir pour nous d'entrer en contact avec vous à l'OIF et de mettre sur pied ce festival assez original, je pense, et qui sera, je pense, d'un grand intérêt. Je voudrais commencer en disant juste quelques mots du centre que je dirige, parce que je pense que ce centre est peut-être inconnu de la plupart du monde ici. Je suis désolée d'abord, je vous dois mes excuses pour son nom, Centre de civilisation et de culture française, ça sonne assez mauvais. Et en fait, nous avons pris des mesures depuis 2 ans maintenant déjà pour le changer. L'année dernière, on a commencé, on avait proposé quelque chose, ça a été refusé en haut quelque part. On a donc recommencé. Et cette année, on a réussi à faire accepter un nouveau nom qui sera Centre de langue et de culture plurielle française. Et donc, en fait, ce nom a déjà été accepté, mais nous avons décidé de ne pas l'employer officiellement avant la fin de l'année scolaire, parce que ça prête tellement à confusion quand on change de nom en mi-chemin. Voilà, le centre a été fondé en 1978. C'est un des centres qui est reconnu comme centre d'excellence par le gouvernement français, donc il reçoit un financement de l'ambassade de France, pour lequel nous sommes extrêmement reconnaissants. Les centres d'excellence sont reconnus comme tels parce qu'ils regroupent des programmes ou des départements d'études francophones dans des universités d'un certain statut. Et donc il n'y a qu'une vingtaine aux USA, dont nous sommes un des premiers et des plus actifs, même le plus actif, dirais-je. Les entités qui comprennent notre centre sont le département de français lui-même, l'Institut d'études françaises, qui est un institut de recherche qui n'a pas de programme sous-gradué, mais qui offre un master en sociologie, histoire littéraire, histoire littérature française, et la Maison française d'NYU, qui est un établissement très connu, je pense, des gens de la ville. Donc ces trois entités font partie du centre. Et mon rôle en tant que directrice du centre, c'est de coordonner les activités et de
d'organiser, de mettre sur pied des activités, des événements qui intéresseraient à la fois les chercheurs dans nos départements et le grand public new-yorkais, ce que nous essayons de faire. Et depuis que je suis devenue directrice, nous essayons avec beaucoup d'efforts aussi pour susciter l'intérêt de nos collègues. Je suis très heureuse de recevoir ici certains des collègues du département. Et en plus, les étudiants, y compris les sous-gradués, mais si vous avez un peu, si vous avez un peu pu regarder le programme, vous verrez qu'il y a des lectures publiques à partir de demain. Ces lectures seront modérées par des gradués du département. Donc c'est un grand plaisir d'essayer de réunir ainsi tous les différents niveaux et tous les différents intérêts universitaires avec l'Organisation internationale de la francophonie pour faire quelque chose qui intéressera, je l'espère, aussi le grand public new-yorkais. Les thèmes du festival, la littérature, la francophonie, la diversité, sont des thèmes qui nous tiennent particulièrement à cœur. Il y a longtemps, l'étude de la littérature française s'est concentrée sur la littérature hexagonale, mais cela n'est plus le cas. Et la plupart de nos étudiants, surtout en littérature moderne, s'intéressent tout autant à la littérature francophone mondiale. Cela est très important pour nous de montrer notre soutien pour ce genre de manifestation culturelle. Ce programme se prolonge, comme Madame Seiden vient de le dire, sur 3 jours, selon un rythme varié, où le volant universitaire sera le mieux représenté, je pense, par les tables rondes qui auront lieu à la Maison française, dont j'ai fait mention tout à l'heure, Washington Square. Et ces 2 tables rondes seront constituées par des auteurs qui sont ici. Je suis très heureuse d'accueillir à New York. Donc nous avons Kim Thuy, Evelyne Trouillot, René Saint-Éloi, Lise Gauvin, excusez-moi, ce sont des gens dont je viens de faire la connaissance. Je ne sais pas s'il y a d'autres auteurs qui participent aux tables rondes que je devrais. Ah, et vous êtes qui, madame? Ben, écoutez, bienvenue, excusez-moi de ne vous avoir pas connu avant. Toutes les invitations ont été envoyées par toute une équipe de gens. Nous aurons le plaisir de nous connaître au cours de ces jours qui viennent. Les gens qui parlent ici devant vous sont les organisateurs et les sponsors. Nous avons reçu un financement généreux de l'OIF. Nous avons contribué nous-mêmes, le département a contribué et nous sommes très redevables aussi envers la délégation culturelle du Québec. Mais les gens qui ont fait le gros du travail ne sont pas debout devant nous et il s'agit de Mylène Ndoye qui était interne stagiaire ici, qui est partie, de Dimitra qui est là quelque part et surtout de mon assistant Guillaume Parodi qui a dû signer presque tous les courriels que vous avez reçus. Et avant de passer la parole au prochain interlocuteur, j'aimerais quand même qu'on applaudisse. Je serai bref. On m'a donné un document à lire pour s'assurer que je ne m'éparpille pas dans mon ad lib. Chers partenaires, chers amis, à titre de collaborateur et au nom de la délégation générale du Québec à New York, nous voulons profiter de ce moment pour remercier les organisateurs, collaborateurs et partenaires du festival. Madame Kay, Madame Saïdan, la Fondation Florence Gould et évidemment l'équipe de l'OIF et particulièrement Dimitra pour le travail, le professionnalisme et le dynamisme que vous avez démontré.
Pour certains, vous êtes notre Jeanne d'Arc de la francophonie annuelle. Nous voulons aussi souligner la présence au festival, comme il a été mentionné tout à l'heure, d'une importante délégation québécoise d'auteurs. Et les féliciter pour leur talent et leur contribution au rayonnement international de la littérature québécoise francophone Made in Québec. Certains d'entre eux sont d'ailleurs avec nous, et je tiens à renommer les individus en question, les auteurs, Mme Kim Thuy, Mme Lise Gauvin, M. Alain Labonté, M. Saint-Éloi, René Saint-Éloi, et M. Gabriel Robichaud. Merci à tous ces auteurs de faire rayonner le Québec en français à New York. J'aimerais aussi rappeler que le Québec est un partenaire engagé de la francophonie à New York, aux États-Unis et à travers le monde, à travers son vaste réseau de représentations composé de délégations, de bureaux et d'antennes. La délégation du Québec à New York sera d'ailleurs l'hôte de l'événement de clôture du printemps de la francophonie 2018 lors des célébrations de la Fête nationale du Québec le 21 juin prochain à New York. Pour terminer, une citation très sympathique de l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jaloun, prix Goncourt 1987 pour le livre « La nuit sacrée ». La francophonie est une maison pas comme les autres. Il y a plus de locataires que de propriétaires. Merci encore à tous et à toutes. Longue vie au festival des 5 continents. Prenez soin de la culture et la culture prendra soin de vous. Merci. Bienvenue cette fois de ma part, de notre part. Je voudrais vous dire que je suis très content de faire cette conversation avec Yaman Manaï ce soir, et je voudrais aussi remercier Marjès Sadan, je voudrais remercier Patricia Hert, Sarah Kay qui a organisé aussi ça avec Guillaume Parodi, Dimitra aussi qui a été tellement efficace et tellement présente pour l'organisation de cette soirée. Vous êtes né à Tunis, vous travaillez à Paris. Vous êtes écrivain, vous êtes ingénieur en technologie de l'information. Alors, Yaman Manaï, bienvenue à New York et bienvenue pour l'inauguration de ce festival. Et on va parler de votre prix. Vous êtes lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. Mais déjà en 2012, vous avez été finaliste de ce prix avec votre roman, votre deuxième roman, La sérénade d'Ibrahim Santos. Je rappelle juste que ce prix est destiné à récompenser un texte de fiction d'expression française qui est paru dans l'année. Voilà. Et cette fois, en 2017, vous êtes lauréat, vous êtes le lauréat avec votre troisième roman, La main ardente, qui est également publié chez Elissade, en Tunisie. Et ce sera l'objet de la conversation de ce soir. Et dans une quarantaine de minutes, eh bien, il y aura vos questions. Alors, pour commencer, on pourrait dire qu'avec ce roman, vous brossez un portrait de notre époque où les tensions à l'intérieur de la société des hommes, entre obscurantisme et émancipation, entre corruption et intégrité, entre autoritarisme et démocratie, n'ont jamais eu autant d'impact dans le monde de la nature. Et dans votre roman, ce sont les abeilles qui vont nous le révéler. Et en le lisant, il m'est apparu tout de suite la finesse de la construction, on va en parler ensemble, et en même temps, la simplicité de l'écriture, l'ironie, et ça fait tout de suite penser à la grande tradition des contes philosophiques. Je pense à Voltaire, je pense à Zadig, je pense à Micromégas de Voltaire, ou le supplément au voyage de Bougainvilliers de Diderot. On est dans cette veine-là. Alors, on aura l'occasion de lire quelques passages. Vous aurez l'occasion de lire quelques passages. C'est important d'avoir la voix de l'auteur. Et si les thèmes ne sont pas légers, l'écriture, elle, est légère. Elle est légère malgré la cruauté de certaines situations. C'est écrit, vous verrez, avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de délicatesse et avec beaucoup d'humour. Donc, voici. C'est l'histoire d'un apiculteur qui s'appelle Le Don, qui vit dans la nature, en harmonie avec ses abeilles, qu'il appelle ses filles, tellement il les aime, tellement même donnerait sa vie pour elles. Et au moment où on le découvre dans le roman, au tout début,
il est à genoux devant la ruche à se lamenter sur des cadavres de ses abeilles qui ont été déchiquetés. Et il va mener une enquête quasi policière pour essayer de découvrir qui a pu les massacrer. Et en parallèle, dans le pays où il vit, des élections vont avoir lieu et des caravanes de militants vont débarquer dans son village qui s'appelle Nawa. Voilà, ça c'est le cadre de l'histoire. Voilà comment ça commence. Alors, Yamen Manaï, je citais en commençant votre deuxième roman. Comment, après ce deuxième roman, cette histoire qui est la troisième, comment cette histoire d'abeille est-elle née dans votre esprit ? Merci. Je ne peux pas te répondre sans remercier toute la salle d'être présente. Vous me faites vraiment un grand honneur. Je suis ravi d'être là et je mesure ma chance et je vais me rappeler de ce moment pendant très longtemps. Alors, comment est venue l'histoire de la main ardent ? En fait, c'est un prolongement d'un certain engagement littéraire de ma part qui est venu avec le deuxième roman qui s'appelle La Sérénade d'Ibrahim Santos et qui décrit la révolution d'un village contre une dictature dans l'arrière-pays d'une république bananière, voilà, dirigée par un militaire. Ça se passe dans les Caraïbes. Ça m'était inspiré lors d'un voyage à Cuba et où j'ai vu en fait à quel point les Cubains ressemblaient aux Tunisiens, même s'il y a tout un océan qui les sépare. Parce qu'en fait en Tunisie on était sous le joug d'une dictature policière avec Ben Ali, et quand j'étais à Cuba j'ai vu la dictature militaire de Fidel. J'ai vu à quel point on se trompait en fait d'image d'un pays. Tout le monde a une image de Cuba, de douceur de vivre, d'une musique extraordinaire, de plages extraordinaires. Et c'était pareil en Tunisie pendant les années de Ben Ali. Tout le monde avait l'image d'une Tunisie paisible, où tout va bien, les plages sont immenses, de sable fin, il fait beau. Donc en fait, on se trompait, la réalité n'était pas celle de la première image renvoyée. Et du coup, cette proximité entre Cuba et la Tunisie m'a donné l'idée d'écrire cette histoire de révolution. Et je me suis trouvé dans un chemin d'une littérature engagée. Et la situation de la Tunisie après la révolution ne m'a pas encouragé à quitter ce chemin de littérature engagée, en fait. J'avais l'impression qu'il fallait dire encore les choses, sensibiliser encore les hommes et les femmes de la situation qui est en train de se passer, avant peut-être de revenir à des écrits beaucoup plus littéraires, comme j'ai pu l'avoir par exemple avec La Marche de l'Incertitude, qui est plutôt une histoire de personnages, de liens entre personnages, en dehors d'un contexte politique. Donc, une volonté de critiquer ne suffit pas, malheureusement, parce qu'il faut avoir l'inspiration pour le faire. Donc, pendant plus d'une année, ou même un an et demi presque, j'étais en train de chercher comment critiquer la situation qui est en train de se passer, comment la démocratie est fragile, comment est-ce qu'on était en Tunisie en train de découvrir ce qu'on appelle la politique politicienne. C'est-à-dire la politique qui est censée, comme le dit Paul Valéry, dit de la politique, c'est l'art de désintéresser les gens de ce qui les intéresse vraiment. Donc on était en Tunisie en train de découvrir, après la dictature, on était en train de découvrir la politique qui était censée nous empêcher de nous intéresser aux vraies questions. Et j'ai pas mal galéré, comme on dit, j'ai pas mal cherché, j'ai pas réussi à trouver. Et un jour, je regarde National Geographic, je regarde un documentaire animalier où en fait, il y avait une ruche d'abeilles qui était en train de se faire attaquer par des frelons géants. Et cette ruche d'abeilles était démunie, elle était sans défense face à ces frelons-là qu'elle connaissait pas. En fait, c'était une ruche d'abeilles européenne qui était attaquée par des frelons asiatiques, venus de Chine. Pourquoi on a une majorité d'abeilles européennes aujourd'hui dans le monde répandue ? Parce que les abeilles européennes sont les plus productrices et les moins agressives des abeilles. Donc les apiculteurs à travers le monde entier préfèrent acheter des reines européennes et faire des élevages d'abeilles à partir de reines européennes que de reines locales. Sauf que quand en fait
en fait traverser une abeille des océans, des montagnes, etc., et qu'elle va se retrouver dans un écosystème qui n'est pas le sien, ben elle va être fragile face aux prédateurs et aux parasites de l'écosystème dans lequel elle va se trouver. Donc l'abeille européenne n'arrive pas à se défendre contre le frelon asiatique, mais ce n'est pas le cas de toutes les abeilles. Donc dans ce documentaire-là que j'ai regardé, il y avait donc une vingtaine de frelons qui attaquaient une ruche de 40 000 abeilles, et au bout de 2 heures, elle massacrait toutes les abeilles. Donc j'avais l'impression de voir un commando rentrer dans un lieu de vie, comme par exemple les commandos kamikazes qu'on a pu voir au Bataclan, au musée de Bardot, sur les plages de Sousse, c'est-à-dire des gens qui ont l'apologie de la mort en tête, qui rentrent dans un lieu où des gens ne sont pas capables de se défendre et font des carnages pas possibles. Ensuite, le documentaire est embrayé sur un autre type d'abeille qui arrive justement à se défendre contre le frelon. Je ne sais pas si on traitera la question ou si ça viendra dans tes questions plus tard, mais en tout cas, connaître son ennemi est le meilleur moyen de se défendre contre lui. Et nous, malheureusement, en Tunisie, on n'a pas connu notre ennemi qui était camouflé par la dictature, parce qu'en fait, le parti qui est arrivé au pouvoir en Tunisie pendant les premières élections, donc le parti que j'appelle dans le roman le parti de Dieu Ennahda, a été banni pendant très longtemps par le pouvoir qui était en place. C'est-à-dire ces personnes-là, islamistes, entre guillemets, dans la société tunisienne, n'avaient pas le droit de parler d'islam politique. C'était banni. Et du coup, en fait, quand Ben Ali a chuté, quand ils sont revenus dans le paysage, ils sont revenus en fait avec des habits de militants. Nous, on était, ils disaient, c'était leur discours, nous, quand Ben Ali était là, on était parmi les seuls qui n'étaient pas d'accord avec lui, et ça nous a valu l'exil. Donc maintenant, on est revenus. La liberté d'expression était un vrai acquis de la Révolution, donc ils avaient l'espace de parole, sauf qu'en fait, on n'avait pas l'habitude de dialoguer avec eux. Donc on ne savait pas comment vraiment les marginaliser. Par rapport à d'autres démocraties, par exemple, quand on prend en France le discours du Front National, il y a énormément de personnes qui arrivent à répondre aux arguments du Front National en disant que c'est de la démagogie, que c'est pas réel, etc. Et qui arrivent à démystifier les arguments du Front National. Et bien nous, en fait, par un manque d'habitude, par un manque de dialogue, par le fait que ce parti-là a été banni pendant très longtemps, et bien en fait, leur retour était vécu comme une intrusion. Une intrusion contre laquelle on n'arrivait pas forcément à bien se défendre parce qu'on ne connaissait pas notre ennemi. On était comme ces abeilles européennes face à des frelons et on ne savait pas, on n'avait pas nos habitudes. Donc aujourd'hui, on est en train d'apprendre à leur répondre. On connaît la limite de leurs compétences et voilà, on est en train de rouler. Tu parles de Tunisie. À aucun moment dans le monde, le pays dans lequel l'histoire se passe n'est spécifié. Pourquoi ? Alors, il est spécifié dans le texte de quatrième de couverture par mon éditeur. C'était une idée de mon éditeur. Mais moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas forcément voulu. Il y a des termes que j'ai pas voulu mettre. J'avais pas. Je voulais pas mettre très précisément le lieu, l'époque, et même le nom des religions ou le nom des divinités. Je dis Dieu, je ne dis pas Allah ni Yahvé, je dis religion, je ne dis pas Islam. Je veux dire, je reste dans ce qui est universel, peut-être conceptuel. Et c'est pour plusieurs raisons. D'une part, pour donner à ce livre, parce que j'avais l'impression qu'il pouvait se dérouler dans plusieurs pays, en fait, du printemps arabe. J'avais l'impression qu'il pouvait se dérouler en Égypte, parce que les Égyptiens ont connu une démocratie fragile qui a abouti aussi à l'installation des frères musulmans en Égypte avant que Sisi, le général, ne fasse un coup d'État et ne reprenne le pouvoir. La Libye aussi, c'est pareil. Pendant un moment, elle a connu cette fragilité. Aujourd'hui, c'est complètement le chaos. Il y a plein de pays qui peuvent connaître la fragilité qu'a connue la Tunisie dans son printemps arabe, et je ne voulais pas du coup priver les autres personnes de ce sentiment universel en citant, en disant que l'action se passe spécifiquement en Tunisie et dans cette région-là de la Tunisie. Ensuite, de toute façon, c'est une habitude que j'ai pris dans mon écriture de dire les choses à moitié. Pourquoi ? Parce que c'est un héritage aussi de ma culture arabe.
littéraire, hein, je parle bien, où avant, en fait, il faut savoir que les Arabes, c'était des poètes. Un petit peu moins peut-être aujourd'hui parce qu'ils sont trop préoccupés à faire la guerre en ce moment. Mais en tout cas, il y a eu un moment où la poésie arabe avait atteint un niveau assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il m'arrive de lire des choses qui me semblent arriver vraiment de très très haut, quoi. Limite, on parlait même pour ces poètes-là qui ont vécu dans la période pré-islamique. En fait, on leur attribuait des sortes de d'esprit inspirateur, un génie qui est vraiment dédié à chaque poète, c'est-à-dire chaque poète a son génie qu'il va rencontrer dans une grotte, et c'est ce génie-là qui lui souffle les vers qu'il va réciter par la suite en public. C'est pour dire à quel point ils ont atteint un niveau qui, en fait, on ne pouvait pas imputer ces textes-là à leur conscience. Parce que c'était quelque chose qui surpasse les consciences en lisant. Donc, dans ce contexte-là, ces poètes, en fait, ils disaient les choses à moitié. Souvent, ils avaient des amoureuses. On est dans un milieu tribal, on est au Moyen-Âge. Et donc, en fait, si le poète déclare sa flamme directement, frontalement, à la fille dont il est amoureux, ça va faire des histoires et des problèmes entre les familles. Donc, il vaut mieux ne pas dire... plutôt décrire, plutôt faire des allusions, rester entre le précis et le vague, plutôt suggérer, exactement. Et donc c'est cette force de la suggestion avait aussi un autre effet, donc elle protégeait la bien-aimée, mais il y avait d'autres peut-être femmes qui pouvaient se reconnaître dans la description du poète, et donc du coup elles pouvaient dire, ben, en fait il parle de moi. C'est généreux. Donc là, en fait, si j'ose dire, je suis un peu dans la même suggestion, c'est-à-dire il y a d'autres pays qui peuvent dire cette histoire est la mienne et se l'approprier, et la Tunisie, pour les personnes qui sont initiées au contexte tunisien, vont tout de suite comprendre que l'histoire, elle est avant tout tunisienne. Donc elle part de la Tunisie, mais j'avais pour ambition d'atteindre quelque chose de plus universel. Même au point que, si j'ose dire, je pense que le texte, modulo quelques changements, il pourrait très bien se dérouler en Europe dans un pays qui est en proie à l'extrême droite, qui a des discours qui sont complètement parallèles avec les discours des islamistes politiques, quoi. C'est-à-dire, la prêche, par exemple, qu'il y a dans le livre, je pourrais la modifier pour qu'elle soit donnée par quelqu'un comme Marine Le Pen, par exemple. C'est très simple, en fait. C'est très simple de jouer sur les peurs, sur la misère, etc., pour pouvoir... récolter des voix. C'est toujours le même discours, c'est toujours la même chose. Et comme tu le soulignais, cette caravane politique arrive dans un milieu qui n'a pas de tradition démocratique. On va faire la première lecture pour vous donner à entendre ce que ça donne d'ironie, de drame aussi. Si tu veux lire là, c'est... Alors, Philippe, tu disais que la voix de l'auteur était très importante. Ouais. Moi, je vais vous dire, je pense que je vis avec la voix de quelqu'un d'autre, en fait, voilà, il y a quelqu'un qui m'a volé ma voix, comme disait Romain Gary, il y a quelqu'un qui m'a volé ma voix, et voilà, j'aime pas du tout le son de ma voix, j'espère que ça passera pour vous. Donc, l'histoire se passe dans l'arrière-pays, donc dans la campagne qui est assez dépouillée, qui connaît pas les élections, qui connaît pas la démocratie, et en fait, après, justement, la volonté d'établir ce processus démocratique. Il y a eu plein de caravanes donc, qui ont sillonné le pays. Et là, je vais décrire donc, l'arrivée d'une des caravanes. Les villageois étaient tout chamboulés. Pour la plupart, ils n'avaient même pas choisi leur conjoint, qu'il leur fallait aujourd'hui choisir par qui ils allaient être gouvernés. Il est vrai que 3 mois auparavant, certains avaient entendu que quelque chose s'était passé là-haut. Mais personne n'avait assez bien compris ce dont il s'agissait pour être en mesure de l'expliquer aux autres. Comme main d'artefact, la presse n'arrivait pas à Nawa. Et quand bien même, la population était majoritairement illettrée. Seuls savaient lire quelques bambins qui parcouraient la steppe pendant des heures pour atteindre l'école. De télé, probable source d'information, il n'y en avait qu'une. Et c'était celle du café. Mais Louz ne l'allumait qu'à la Coupe du Monde de football.
après avoir travaillé au corps des mois durant le vieux Jbara pour lui taxer les câbles de la batterie de son tracteur, seul engin à moteur de la contrée. Les Naouis étaient ravis d'apprendre qu'ils étaient le peuple. Mais depuis quand ? Dans leur solitude, ils avaient fini par croire qu'ils n'étaient que des Naouis et que leur sort n'intéressait personne, encore moins leur avis. Personne ne leur avait demandé quoi que ce soit auparavant. Et personne en dehors d'eux n'était là à se geler pendant les hivers rudes quand on manquait de chauffage, de laine et de chaussures, quand le spectacle des mômes marchant pieds nus dans la neige crevait les cœurs des adultes impuissants. Mais personne ne se rendait à Nawa. Personne. Enfin, presque. Merci. Alors, on est là dans une situation politique qui va voir triompher le parti de Dieu. Et j'aimerais savoir, parce que ce n'est pas dans le texte ça, mais quel est le rapport du parti de Dieu, ou de parti fanatique, à la langue française? Est-ce que c'est une langue qu'ils bannissent? Est-ce que c'est, comment est-elle perçue? Parce que tu es un écrivain de langue française. Alors en fait, il faut se dire que dans cet extrémisme, il y a quand même aussi une sorte de spectre. Il y en a qui peuvent, il y a certains extrémistes qui peuvent lancer une fatwa sur quelqu'un, rien que parce qu'il parle français. Voilà, c'est comme ça, c'est pas la langue du prophète, et quand on fait quelque chose que le prophète n'a pas fait, ben on est dans ce qui est hérétique, et donc du coup, on peut avoir des problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne lisent pas en langue française, ils ne savent pas lire en langue française. Si bien qu'en fait, je ne suis pas du tout en danger en Tunisie à cause de mon livre. Peut-être que si jamais il y a un éditeur de langue arabe qui décide de le traduire, et peut-être que justement, parce qu'on a peur d'avoir des problèmes, que personne n'a voulu le traduire en langue arabe, dites-vous qu'il y a des projets de traduction en roumain, en polonais, en italien, en espagnol, mais il n'y a pas de projet de traduction en langue arabe. Parce qu'en fait, bon, le texte, il est assez, il est sans concession vis-à-vis de certaines parties, d'une certaine idéologie. Et donc, du coup, peut-être que les éditeurs se disent, si on le traduit, on risque de se mettre des gens sur le dos et il vaut mieux pas. Donc, mais en revanche, voilà, je pense pas qu'il ait été lu par ces gens qui le critiquent. Et c'est vraiment le paradoxe que l'ignorance qui protège de la bêtise. C'est vraiment... Mais justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que dans ce livre, il n'y a pas de concession faite à ton analyse de la situation politique à l'intérieur de ce pays et à l'extérieur, sur le plan international? Est-ce que ton éditrice à Tunis, Elisade, est-ce qu'elle a reçu des pressions pour ne pas l'éditer, par exemple? Alors non, en fait, elle ne reçoit pas vraiment de pression pour ne pas éditer, mais son travail en tant qu'éditeur francophone n'est pas simplifié par certaines personnes que le Parti de Dieu avait placées pendant qu'il était au pouvoir. Et c'est le cas de tout le monde en fait, si j'ose dire. Aujourd'hui, malheureusement, le pays semble autant corrompu aujourd'hui que quand il était sous Ben Ali. Mais il y a une vraie liberté d'expression, il y a une vraie liberté de temps. On a la possibilité maintenant de le dire et d'exiger du gouvernement de réagir. Voilà, donc... Alors, je reviens au Don. C'est le nom de cet apiculteur. C'est un homme droit, c'est un homme courageux, c'est un homme qui vit imprégné de la sagesse de la nature. Et pourtant, raconte-nous comment cet homme droit et courageux est aussi victime de ses illusions et il va se mettre au service d'un prince corrompu, d'un prince du golfe Persique qui est corrompu. Et on va lire un passage ensuite. Mais comment se fait-il que la sagesse naturelle ne soit pas un rempart par rapport aux illusions? Alors en fait, la sagesse de mon personnage principal, elle est perceptible dans sa relation avec ses abeilles, mais dans sa relation avec les hommes, on sent au début des chapitres qu'il y a une sorte, je pense,
d'un manque de confiance et d'un manque de maturité. Ce personnage ne fait pas confiance aux autres. Il a choisi de vivre avec ses abeilles, de vivre reclus, à cause d'une mauvaise expérience justement avec les hommes, et il s'est dit « bon, il n'y a rien à tirer de cette espèce, je préfère rester avec mon espèce d'insectes, les abeilles, ça vaut mieux pour moi, j'arrive pas à composer avec les autres ». Mais finalement, il se rend compte très rapidement après l'attaque qu'il a subie qu'il ne va pas pouvoir protéger ses filles tout seul. Malheureusement, il est atteint de plusieurs limites. Il a la limite de sa connaissance, parce qu'en fait, il est face à un fléau qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc au tout début, il est au pied de ses ruches, en train de pleurer donc, ses abeilles qui sont mortes et déchiquetées pour des raisons inconnues. Donc par la suite, quand il va faire son enquête, il va découvrir que c'est un frelon intrus. Il a une limite de l'âge aussi, parce qu'il se sent vieux. Il est vieux, et donc du coup, s'il y a une science, elle doit être transmise, donc il doit être en dialogue avec les autres pour pouvoir leur dire comment affronter ces fléaux, etc. Et au final, il va accepter l'aide des autres, en fait. Il va accepter parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas le choix pour protéger ses abeilles que d'aller au-delà de ses pressentiments, au-delà de ses souvenirs, parce qu'en fait, ce souvenir vif, malgré les années de cette expérience en Arabie, hein, parce qu'en fait, je voulais montrer aussi ce qui se passait en Arabie. En Arabie saoudite, sous-entendu saoudite. Moi, je dis rarement saoudite, parce que les saouds, ça me sort par le nez. Donc, en Arabie, donc il a vécu une expérience amère qui l'a pas encouragé à faire confiance au genre humain, et surtout au genre humain à barbe de prêcheur. Donc malheureusement, il tolère plus. Peut-être on peut lire ce passage, oui, qui est très explicite de la corruption qui est nécessaire pour qui est liée à l'obscurantisme. Il faut en prêchant la parole de Dieu, il faut cacher à quel point ceux qui la prêchent sont corrompus. Voilà, et on est dans le cadre très secret où s'opère cette corruption. Donc là, on est en Arabie, on est dans la jeunesse du personnage. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pendant un moment, l'Arabie a voulu se lancer dans l'agriculture. Malgré donc, son climat désertique, ils ont voulu investir dans l'agriculture et apprendre à cultiver des terres et rendre fertiles certaines terres dans le désert. Ils ont recruté dans les pays arabes des artisans et même plus, hein, ils ont recruté aussi des professeurs, etc. Et donc mon personnage part en Arabie au service d'un prince dans un domaine agricole pour justement produire du miel pour ce prince-là. Donc là, on va voir ce que ce prince il fait du miel. Le prince pointa Asma du doigt. Asma, tu es ma préférée. Vas-y en premier. Asma se déculata devant les hommes. Elle rassembla sa longue chevelure au-dessus de sa tête, puis elle s'assit dans la vasque de miel. Elle prit soin de bien tremper ses hanches dans le liquide sacré avant de se relever et de changer de vasque. Les gouttes dégoulinaient encore le long de ses cuisses quand elle se tortilla le derrière dans la mare de billets verts. Enfin, elle se redressa. Je vais relire. Le prince pointa Asma du doigt. Asma, tu es ma préférée. Vas-y en premier. Asma se déculotta devant les hommes. Elle rassembla sa longue chevelure au-dessus de sa tête, puis elle s'assit dans le vasque de miel. Elle prit soin de bien tremper ses hanches dans le liquide sacré avant de se relever et de changer de vasque. Les gouttes dégoulinaient encore le long de ses cuisses quand elle se tortilla le derrière dans la mare de billets verts. Enfin, elle se redressa. Son cul était recouvert de dollars. « Approche maintenant !» ordonna le prince. Elle s'exécuta. Devant lui, elle se tourna et lui présenta sa prise. Le prince décollait les billets de ses fesses et les compta au fur et à mesure en se léchant les doigts.
200, 500, 1000, 1500, 2000, et il y en a encore, s'exclama-t-il. Mes amis, je crois qu'elle va battre le record. Les convives applaudirent l'exploit de la jeune femme, tandis que le prince continuait de compter. 2500, 900, 3000 dollars. Bravo, l'acclama-t-il en administrant une claque à son postérieur. Asma, tu n'auras pas perdu ta soirée. Suivante. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette description un peu d'orgie, elle est plus complète dans le roman. Donc on voit bien ce que font les princes de leur temps libre. Hein, et il faut se dire qu'en Arabie Saoudite, il y a pratiquement 5000 princes. Hein, donc ils ont beaucoup de temps libre, beaucoup d'argent pour faire plein de choses. Et donc parmi les choses qu'ils font, en fait, voilà, moi je connais quelqu'un qui a travaillé pour un prince. Et qui m'a raconté donc une scène d'orgie où, alors que j'étais en train d'écrire le livre, hein, j'étais déjà dans les abeilles, et ça faisait quoi? Ça faisait 4-5 mois que j'avais commencé, donc j'avais pas non plus progressé comme je le voulais. Et de lui-même, c'est bizarre, il me dit écoute, tu sais quoi Il me raconte l'histoire de ce prince-là qui l'a servi il y a de ça des années et qui en fait mettait donc une vasque de miel, une vasque de billets verts, et il demandait aux filles donc de tremper leurs fesses dans le miel et après de tremper leurs fesses dans les dollars, et après en fait c'est comme ça qu'il est payé. Et en fait voilà mon personnage principal, donc il est un apiculteur. Et qui vit dans des conditions difficiles, hein. Il est dans le désert, il essaie de pérenniser une population d'abeilles, il essaie de faire du miel, et en fait voilà dans quoi le miel est utilisé. Donc c'est ce qui va le dégoûter de la vie des autres, c'est ce qui va dégoûter des discours de religieux, et c'est ce qui va faire en sorte qu'il va entre guillemets s'isoler et vivre avec ses abeilles, parce que notamment cette fille-là qui s'appelle Asma et qui se tortille dans le miel et dans les billets verts, c'était un coup de foudre qu'il a eu pendant qu'il travaillait pour le prince. Et donc en fait tout ça a fait en sorte qu'il a boycotté le monde et il s'est dit je vais les laisser tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, moi je vais remonter dans ma colline, un peu comme Zarathustra, quoi. Il s'est isolé, il est monté tout là-haut, et bon ben les événements vont l'obliger à descendre et à se dire que il faut nuancer. Il faut nuancer, il y a des gens qui sont capables de faire du bien. Dans le livre, on dit « L'enfer, c'est les autres. » C'est ce que dit Sartre aussi. Mais le salut, parfois aussi, c'est les autres. C'est intéressant, cette scène, parce qu'elle montre que la corruption, c'est une inversion. C'est-à-dire, tu parles au tout début du livre du miel. C'est un des seuls moments où tu parles du divin. Tu parles du miel divin. Et là, justement, on voit ce qui arrive à ce miel divin. Et justement, la suite du roman, c'est aussi comment remettre les choses à leur place, que ce qui est en haut ne soit pas piétiné en bas. Et quand l'apiculteur rentre chez lui, il découvre une scène affreuse. On va la lire, tu vas la lire. Oui. C'est vraiment le paroxysme de l'horreur pour lui, qui met ces abeilles qu'il appelle ses filles au-dessus de sa propre vie et qui découvre toute une ruche. Alors, on est avec le don. Et le don, en fait, quand il a découvert la première ruche massacrée, il va monter la garde pour essayer de comprendre quel est le fléau qui a massacré 40 000 abeilles en 2 heures. Et donc, il va découvrir, là, que ce sont des frelons. Les abeilles débordaient de la trappe et tentaient de bloquer l'accès aux pillards. Mais elles étaient démunies face aux infatigables et terrifiantes mandibules, dans lesquelles elles se jetaient à tour de rôle. Je vais relire. Mais je vais vous dire aussi avant un truc. Excusez-moi. En fait, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Honeybees versus
Giant Hornets ou Abeille contre Frelon Géant sur YouTube, vous allez voir ces scènes. C'est-à-dire, en fait, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que les documentaires animaliers sont tellement bien faits qu'on a l'impression que l'insecte lui-même a une caméra embarquée sur lui. Donc, ces scènes-là, en fait, elles sont filmées. Et la scène qui m'a inspiré le livre, la scène forte dont j'ai parlé au tout début, elle y est, donc vous pouvez aller la voir si vous êtes curieux. Donc moi, j'ai essayé de la rendre dans le livre avec ces pages. Donc là, on va lire un extrait. Les abeilles débordaient de la trappe et tentaient de bloquer l'accès aux pillards. Mais elles étaient démunies face aux infatigables et terrifiantes mandibules dans lesquelles elles se jetaient à tour de rôle. Happées par les offensives scélères, elles se faisaient harponner et promptement déchiquetées par leur impitoyable prédateur. Leurs minuscules dards et petites morsures se heurtaient à des poils drus et à des carapaces cuirassées. Et même si à quelques reprises, elles tentèrent d'attaquer simultanément, se mettant à deux ou à trois sur un frelon, ce dernier ne sembla pas plus échaudé. Profitant de sa taille et de sa puissance, il déjoua facilement les plans de ses adversaires. Il repoussa de ses pattes celle qui visait son abdomen, tout en lui assénant un coup de dard. Accueillit dans son énorme margoulotte celle qui arrivait de face et se tordit pour envoyer au loin celle qui s'en prenait à ses ailes. Au bout de quelques minutes, l'escadron des frelons noirs décima un millier d'ouvrières et de butineuses. Le barrage qu'elles avaient fait construire de leur propre corps pour protéger les quartiers sacrés se fissurait de toutes parts sous le pillonnage incessant. Bientôt, la planche d'envol céderait et la colonie tomberait. Voilà le spectacle que le Don découvre à son retour du golf. Et on ne va pas raconter comment il va s'y prendre pour mener son enquête et trouver, non pas ses frelons, mais trouver un antidote au poison, on peut dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Lama Ardent, c'est un titre un peu curieux, est une indication décisive dans la résolution de cette énigme. Ce qui intervient dans cette énigme, c'est le livre, c'est la lecture, et j'aimerais revenir, non pas au tout début du livre, mais avant le livre, à un extrait du Coran que tu places en incipit du livre, et qui m'a fait réfléchir. Est-ce que tu peux le lire? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi? Ok. Alors, attention, n'ayez pas peur, je vais lire des extraits du Coran. Ne vous enfuyez pas. Justement, c'était le but. C'est un pari, en fait, c'est un pari d'avoir nommé ce livre La main ardente, parce qu'il faut se dire que mon éditrice, qui est vraiment formidable, est quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue, m'a dit, Yamen, il faut qu'on change le titre. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, c'est trop ambigu. La main ardente, les gens n'arrivent pas à comprendre de quoi ça parle, même l'univers. Voilà, on ne sait pas si c'est un polar, si c'est un livre de science-fiction, si c'est un livre d'amour, on ne sait rien. Et quand j'en parle à des libraires, parce qu'en fait, l'éditeur annonce l'arrivée du livre au libraire, il dit quand je parle au libraire, les libraires ne comprennent pas ce que je leur dis non plus. Ils pensent que c'est l'amant ardent. L'amant qui fait l'amour. Voilà, et il y en a d'autres qui l'ont compris, le lama. C'est le... Donc du coup, j'ai réfléchi, je lui ai dit écoute, ça marche, le lama ardent et l'amant ardent, c'est pas vraiment ça l'esprit, mais je vais réfléchir, j'ai réfléchi à d'autres titres, et au final... Je lui dis, écoute, Elisabeth, franchement, de toute façon, on ne vendra pas des millions. Donc, on va l'appeler La main ardent, et voilà, et parce que je ne trouve pas d'autres titres qui conviennent. Elle m'a dit d'accord. Et au final, on en a vendu beaucoup plus qu'on espérait, notamment grâce au prix des 5 continents. Hein, ce n'est pas des millions, mais en tout cas, on est au troisième tirage. Donc, ce qui est vraiment bien. Et l'autre pari. Donc en plus d'un titre ambigu qu'on découvre à la 180e page, hein. C'est pas rien de lire, mais en fait, les gens qui m'ont lu
m'ont dit mais c'était super de découvrir le sens du titre à la 180e page. C'est en fait c'est une connivence qu'ils ont aimé avec l'écrivain que de parcourir le chemin avec lui jusqu'à comprendre le titre qu'il leur a proposé. Je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose en quoi tu crois beaucoup ça. Je me souviens dans un entretien que tu as accordé à Tunis à une radio que vous écoutez peut-être souvent, qui s'appelle Radio Caillou. Ce sont des jeunes Tunisiens qui te posent des questions et tu leur dis à un certain moment, il n'y a pas de mauvais livre. Et c'est tout à fait lié à... Tu peux expliquer pourquoi il n'y a pas de mauvais livre? Alors, et après, promis, je vous lirai l'extrait du coup. Vous n'allez pas sortir comme ça. Donc oui, il n'y a pas de mauvais livre parce qu'en fait, moi, ce qui m'a donné envie de lire, c'est des livres que j'ai trouvés médiocres. Il y a des livres qui sont vraiment très très beaux, magnifiques, qui en fait, entre guillemets, si ta littérature ou ta volonté de littérature a des jambes, en fait, ils te coupent les jambes parce qu'ils te disent que voilà ce dont est capable l'être humain sur le champ littéraire. Je prends 100 ans de solitude, je prends des classiques aussi que je connais de ma langue arabe, malheureusement, qui ne sont pas forcément traduits. Quand on les lit, on ne se sent pas écrire derrière ça. On se dit, ben, je suis bien dans mon rôle de lecteur et je prends mon pied de la façon la plus complète qui soit. Il n'y a rien à rajouter. Et j'ai lu d'autres livres qui sont publiés par des grands éditeurs que j'ai trouvé malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, médiocres. Qui m'ont pas forcément épanoui en tant que lecteur, qui m'ont même révolté. Et du coup, en fait, cette révolte-là, ça a nourri un esprit critique chez moi. C'est-à-dire, je lisais et j'avais un stylo à côté et je disais, ben ça, je suis pas d'accord avec cette façon de dire, ça manque de nuances ici, etc. Et en fait, à un moment, à force de souligner ce qu'il y avait dans le livre, je me suis dit, au lieu de, entre guillemets, d'être à ce point critique envers lui, propose quelque chose. Si tu penses que tu as la possibilité de proposer de faire mieux, si tu le penses, eh ben fais-le. Alors j'ose pas forcément dire que j'ai fait mieux ou pas, mais en tout cas j'ai fait quelque chose de différent de ce que j'avais lu et qui me ramenait à moi beaucoup plus de sens. J'avais lu une littérature un peu grise, un peu morne, qui donnait pas envie de vivre, qui ne donnait pas cet élan, cet optimisme qu'on cherche, en tout cas que moi je cherche. Peut-être que j'ai encore une vision un peu naïve du monde, peut-être que je pense que les choses peuvent s'arranger, mais les choses peuvent s'arranger, hein. J'en suis persuadé. Il y a Albert Jacquard qui disait « Aujourd'hui, l'optimisme n'est plus un luxe de l'esprit, c'est une nécessité. » Et en fait, c'est ça que j'ai envie aussi d'exprimer à travers la littérature. Et j'avais lu des livres qui disaient le contraire de ça, et du coup, il n'y a pas de mauvais livre, parce qu'un livre qu'on lit, s'il est beau, il nous apporte. S'il n'est pas suffisamment bon pour nous, eh ben on va le critiquer et ça va nous asseoir dans ce qu'on aime, dans ce qu'on cherche et de ce qu'on ne veut pas, en fait. Voilà. Alors, le moment tant attendu. Alors, en fait, pourquoi c'était un pari? C'est un pari dans le monde francophone de se dire, je vais ouvrir un roman avec des versets du Coran. Voilà, on ne sait jamais, quelqu'un ouvre le livre, donc il tombe sur cette première page, donc le Coran, les abeilles. On peut se dire, bon ben, on s'arrête là. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes, malheureusement, qui peuvent avoir des préjugés ou qui disent que le sujet n'est pas le leur. Et c'est tout à fait entendable, quoi. Il n'y a pas de... On a tous la liberté de s'arrêter à là où on veut. Mais en tout cas, ceux qui ont continué, je pense, comme toi, n'ont pas regretté. J'en suis content. Alors, c'est un extrait d'un sourate. Donc, le Coran est composé de chapitres. Chaque chapitre s'appelle sourate. Et dans chaque sourate, il y a des versets. D'accord ? Et il y a, étrangement, un sourate qui s'appelle les abeilles. Il n'y a pas forcément que la guerre, le sang, etc. Donc il y a un sourate qui parle des abeilles.
Voilà ce que ton Seigneur inspira aux abeilles. Prenez de demeure dans la montagne les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits. Et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort un liquide aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Donc en fait, le bon Dieu, il parle aux abeilles. Les abeilles ont la particularité de tout le règne animal, en tout cas dans le Coran, hein, on ne parle pas de zèbre, on ne parle pas de lion, on parle de fourmis, pour une histoire entre Sulayman et une fourmi. Donc c'est Sulayman qui a construit le temple à Jérusalem. Et il y a les abeilles. Et les abeilles, elles ont la spécificité dans le Coran, en tout cas le bon Dieu dit qu'il a inspiré aux abeilles le travail, la tâche dont elles vont s'acquitter. C'est quoi? C'est la pollinisation. Alors la pollinisation, c'est une activité qui est vraiment très curieuse parce que on dirait que c'est l'instinct de l'abeille qui parle. Donc selon la saison, elle va butiner les fleurs, elle va être responsable des deux tiers de ce que les hommes et les animaux vont manger. Donc sans abeille, les deux tiers de ce que nous avons dans notre assiette, il va disparaître. Et si les deux tiers de ce qu'on a dans notre assiette disparaît, eh ben on va peut-être aussi disparaître à la suite de ça. Et donc j'ai voulu, par ma connaissance de ce texte coranique, et qui n'est pas forcément pour moi un texte violent ou un texte législatif, mais qui est plutôt un texte pour moi spirituel, si on a envie de le voir de ce prisme-là, historique, si on a envie de le voir de ce prisme-là. J'avais envie de dire que ce texte n'est pas uniquement une invitation à tuer son prochain. Et qu'il y a aussi l'apologie de la vie à travers les abeilles dans ce texte-là. Et même, c'est le Coran. Exactement. Et même, en fait, les endroits où on va peut-être retrouver une incitation à la violence, c'est des endroits qui nécessitent une grande précaution dans l'analyse du texte et surtout l'analyse comparative pour comprendre ce que ça veut dire un mot dans ce contexte-là. Et donc il y a beaucoup de gens qui peuvent sortir des phrases de leur contexte, donc que ce soit des gens qui cherchent à indoctriner des gens à transformer des personnes en djihadistes, comme les personnes qui vont vouloir désavouer le Coran et dire que c'est un texte uniquement barbare. Donc entre ces deux sons de cloche, j'avais envie de donner ma perception de ce texte-là. C'est pas un texte violent, c'est un texte pour moi qui a un intérêt et qui peut être lu sans que les gens ne sprintent à droite et à gauche pour sauver leur vie. Avoir un livre, on est en train de parler d'une lecture du livre et d'une lecture symbolique du livre. Tout ça m'a fait complètement penser à ce que, au propos de Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, elle évoquait dernièrement, à propos du prix des cinq continents, elle évoquait l'esprit de ce prix. Elle disait, je cite, « À un moment où l'on s'inquiète et où l'on s'interroge légitimement sur le devenir et le sort de l'humanité, je demeure convaincu que la littérature peut et doit être aux avant-postes de nos combats, de notre capacité, de notre volonté de résistance, pour que la vie triomphe et avec elle le sens. » Et je crois que ces propos de Michaël Jean, ils traduisent complètement l'esprit dans lequel tu as avancé dans cette écriture. Je voulais juste poser une question. Ce qu'on remarque dans ce roman, c'est que les menaces se diversifient, changent, mais les formes de résistance se renouvellent et se renforcent. Et ma question, c'est, est-ce que la francophonie peut être peut-être une forme de résistance aussi face à l'obscurantisme et une plateforme, parce qu'on parle beaucoup d'organisation, de rencontres avec plein de gens, une plateforme de rencontre et de partage de valeurs qui soit universelle? Est-ce que la francophonie, ça peut être un outil dans le cadre des résistances que tu évoques dans le roman?
Alors, je dirais que oui, bien sûr. On est là divers, différents, mais tous forts de ce lien qui nous unit, qui est la langue française et qui nous permet de se parler. Alors, il y en a qui sont aux États-Unis, d'autres au Canada. Moi, je viens de Tunis, même si je vis à Paris. Il y a énormément de nationalités représentées aujourd'hui, mais on est tous capables de s'entendre, de se parler et de trouver le sens à nos angoisses, en fait. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le moteur de l'être humain, c'est aussi ses angoisses. Alors quand il a un gros moteur, ses angoisses vont être des angoisses existentielles, parce qu'il va en fait aller au-delà, je pense, des premières angoisses. Mais après, on a des angoisses de vivre ensemble, on a des angoisses vis-à-vis de l'avenir de nos sociétés. Et quand on se retrouve dans des endroits comme ça, et qu'on voit qu'on en a les mêmes, quel que soit l'endroit dans lequel on est dans le monde, on est réconforté. Et ce réconfort, c'est une sorte de consolation, en fait, de se dire que, voilà, on est finalement les frères, entre guillemets, de cette belle galère qui est l'existence. Et il faudra qu'on trouve un sens à cette existence-là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de nous-mêmes? Quand tu parles de résistance, quand tu cites Michaël Jean, moi j'avais l'impression, déjà à un premier niveau, qu'on parle à l'individu. C'est-à-dire la première résistance que moi j'ai fait, c'est d'écrire déjà. D'écrire, de dire que la situation n'est pas convenable, n'est pas tenable. Et donc j'avais l'impression de me guérir en écrivant ce livre-là, parce que j'avais cumulé pour l'écrire énormément de colère. J'avais vraiment beaucoup de colère en moi de voir la situation un peu désespérante, même s'il n'est pas désespéré en Tunisie, de voir l'émergence de cet État islamique en Syrie, de voir énormément de bêtises et de crimes, même des bêtises, des crimes, des assassinats qui sont faits au nom de certains idéaux qui gagnent à être connus. J'avais énormément de colère et je ne savais pas comment répondre à ça. Je pouvais tomber dans cette colère-là et ne pas me relever. Mais la littérature m'a offert une thérapie, m'a offert un moyen de résistance, m'a offert la façon de répondre à ces puissants qui financent le terrorisme. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai des pages où ces puissants-là, en fait, ils sont ridiculisés. Et ça m'a vraiment fait du bien de parler des Saouds, hein, comme je l'ai fait, de parler du Qatar, comme je l'ai fait en l'appelant le cafard. Donc voilà, ça m'a vraiment guéri. Monsieur Cannelloni. Et après, fort de ça, fort de cette thérapie, ben, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais leur soumettre le livre, et il y a énormément de personnes qui m'ont dit le livre m'a fait du bien. Donc j'ai réussi à transmettre la thérapie littéraire que j'ai réussi à réaliser, j'ai réussi à la transmettre aux autres. Et oui, alors c'est à travers la langue française, c'est à travers la francophonie, c'est à travers les mots. Voilà, donc on n'est que des mots, on n'est que ce qu'on dit, hein, on est beaucoup ce qu'on fait, hein, mais il faut avoir cette intégrité et cette éthique de ne dire que ce qu'on fait. Et du coup, en fait, ce qu'on dit est ce qui reste. Il y a Frédéric Oderlin qui disait « Seuls les poètes construisent ce qui demeure ». Donc là, on est en face à des poètes, et c'est seul le mot reste, seul le mot console. D'accord ? Donc le mot est une présence que plein d'autres choses ne peuvent pas combler. Et donc voilà, parlons-nous, utilisons ces langues qui nous sont... C'est un héritage que nous avons, hein. Moi je suis un héritier d'une tradition francophone en Tunisie qui est en train petit à petit de se perdre. Et dans plein d'endroits aussi, la francophonie
gagne à être mieux défendu. Parce qu'en fait, voilà, c'est un outil qui réunit énormément de cultures, énormément de personnes, dans énormément d'endroits du monde. Donc là, cette situation bien particulière aujourd'hui d'un Tunisien qui parle aux États-Unis, modéré par un Français, invité donc par des Américains, etc. Voilà le sens de ce que c'est que le lien humain pour moi. Et la littérature sait très bien le faire. Quand on va sortir de là, on ne va pas parler fric, on ne va pas parler intérêt, on va parler que des choses qui nous passionnent, que des choses... Il y a énormément de volontaires et de bénévoles dans le milieu de la littérature. Il n'y a pas d'intérêt, c'est tous le travail de souvent d'équipes passionnées, c'est des gens qui s'acharnent. Et voilà le sens de notre vivre ensemble, selon moi. Avant de prendre vos questions, je voulais juste dire que je me demandais quel rapport il y avait entre l'écriture de Yamen et le miel. Et j'arrivais pas à trouver. Et je viens de comprendre que le miel étant un médicament, quelque chose qui guérit. Et je viens de comprendre que son écriture qui le guérit, elle pourrait bien aussi nous guérir. Merci. Merci. Des questions ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire en français et non pas en arabe ? En fait, c'est des choix que c'est un choix que j'ai analysé après. J'ai pas tout de suite analysé ça, mais ça s'analyse très bien, contrairement à d'autres choses qui sont un peu prises de tête. En fait, écrire en arabe aujourd'hui, malheureusement, c'est comme lancer une bouteille à la mer. Le monde arabe, il est tellement divisé, tellement disloqué, et le travail éditorial dans un seul pays est déjà très difficile à mettre en place. Que la francophonie paraît comme une alternative fabuleuse pour être lue, en fait. On est dans un bassin de pays qui se portent mieux, hein, au global, que le monde arabophone. Les livres circulent mieux. Avant, dans le monde arabe musulman, quand un écrivain sortait un livre, par exemple au Caire, quand Najib Mahfouz, par exemple, qui a eu le prix Nobel de littérature, un Égyptien, quand il écrivait un livre au Caire, il était lu au Liban, il était lu au Maroc, il était lu en Tunisie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas ce dynamisme, je ne vois pas cette vitalité qu'il y avait dans la littérature arabe et que je consommais quand j'étais enfant. Hein. Je lisais énormément de Libanais, de Syriens, d'Égyptiens, etc. Je veux dire, quand je me suis vu écrire quand j'étais enfant, quand je me suis projeté dans l'acte d'écriture, je l'ai toujours fait en langue arabe. Mais la réalité est différente, et tant mieux, parce que bon, les Tunisiens sont francophones, donc ils ne seront pas privés du texte, normalement, même s'ils gagneraient à être traduits en arabe, et j'attends toujours de voir quel éditeur aura le courage de le faire. Donc, les Tunisiens n'en seront pas privés et le monde francophone va connaître la situation de la Tunisie. Le monde arabophone, est-ce qu'il gagnerait à connaître la situation de la Tunisie ? Beaucoup moins, parce qu'on sait tous ce qui se passe les uns et les autres et on sait tous quelle est la source de nos mots. Hein ? Et il faut vraiment qu'on les affronte à un moment donné, bien comme il faut, qu'on aille dire à ces personnes que leur gestion... des lieux saints, par exemple, est catastrophique. Il faut se dire que, par exemple, on ne réformera pas, on parle beaucoup de réformer l'islam, d'arrêter le wahhabisme, etc. Il faut se dire que tant que les lieux saints sont entre les mains de wahhabites, ben, y a rien qui changera. Hein. Parce que le fait que les lieux saints de l'islam se trouvent chez les wahhabites leur donne une légitimité de légiférer. C'est-à-dire, ils sont les gardiens de cette tradition. Et tant qu'eux, ils sont comme ça, et tant que les terres saintes seront sur leurs terres gérées de cette façon-là, l'islam n'arrivera pas à bien se moderniser. Il y a un mec un peu fou, hein, qu'on connaît tous, Kadhafi,
hein, qui a très très mal terminé, qui n'était pas complètement fou, hein. Pas tout à fait. Il était, il avait un hémisphère fou, un hémisphère non, plutôt intelligent. Alors s'il a dit, lui, par exemple, aux Saoudiens, il a dit, pourquoi vous êtes le seul pays musulman à profiter de la malle du pèlerinage? Alors, ce qu'on va faire, on va faire comme les déménageurs de l'extrême, on va creuser autour de la Kaaba, et on va chaque année la mettre dans un pays musulman différent, et comme ça, le lieu de pèlerinage sera différent à chaque fois, et chaque pays pourra accueillir les pèlerins, comme un peu la Coupe du Monde, je sais pas. La Coupe du Monde de l'Islam. Et donc, il avait raison, en fait, il fallait... ces terres-là qui sont prises en otage par les Saoudiens, en fait, il fallait les libérer d'une façon ou d'une autre. Donc, malheureusement, tant que ces gens-là sont en place, ce monde-là, arabo-musulman, sera encore divisé. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais ce qui est rassurant, c'est que les réserves de pétrole mondiales, dans l'absolu, même toutes les réserves fossiles, ont 70 ans d'existence. C'est-à-dire à partir de aujourd'hui, plus 70 ans, il faudra qu'on trouve d'autres façons de se ressourcer en énergie. Il y a une fin. Donc, il y aura une fin à leur pouvoir de toute façon. À un moment, ils seront plus aussi puissants et ils tiendront plus le monde en otage tel qu'ils le font aujourd'hui avec le pétrole. Mais tant qu'eux, ils sont là, le monde arabo-musulman, malheureusement, parce qu'il y a une grande corrélation entre les deux, il y a très peu de pays qui sont musulmans mais qui ne sont pas arabes, et il y a très peu d'arabes qui ne sont pas musulmans. Donc il y a une grande corrélation entre les deux. Donc tant que, alors je vais faire un super raccourci, tant que les Saoudiens seront là, la littérature arabe sera mauvaise. je dirais pas mauvaise, mais aura du mal à bien circuler, à être bien distribué, à trouver ses lecteurs, à fédérer autour de quelque chose de commun. Là où on avait avant 260 millions de lecteurs potentiels, aujourd'hui, même dans son propre pays, on n'a pas forcément des lecteurs, parce que les gens, malheureusement, sont dans la crise. Mais vous avez choisi d'être publié à Tunis ? Oui, j'ai choisi d'être publié à Tunis, tout en connaissant que mon éditeur est distribué en France. Alors, pourquoi ? Parce que ma maison d'édition étant tunisienne, elle présente au public tunisien un prix qui est adapté au niveau de vie tunisien. Et à l'étranger, elle corrèle le prix du livre avec le niveau de vie. Donc en France, il coûte 19 euros, je crois, et en Tunisie, il coûte 15 dinars. Donc c'est pas du tout la même chose. 19 euros, c'est 70 dinars. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre 15 dinars et 70 dinars. Et c'est ça, en fait, le sens du militantisme, si j'ose dire, de cette maison d'édition, qui, malgré les difficultés, malgré le nombre de lecteurs qu'on essaie d'élargir de plus en plus, eh ben, continue à faire ce travail-là. Continue à éditer des livres en français, à essayer de les pousser vers l'Europe, vers la Belgique, la France, vers le Canada. Elle essaie de dire qu'il y a des voies d'un monde qu'on croit inférieur, parce que géographiquement il se situe dans le sud, mais il y a des voies qu'on peut lire et qui peuvent nous apprendre des choses. Et elle fait ce travail-là, et franchement, que Dieu nous la garde. Elisabeth. Bonsoir. Et si votre livre devait être traduit en arabe, est-ce que vous aimeriez le traduire vous-même et le réécrire en arabe, ou est-ce que vous préféreriez le confier à un traducteur professionnel et ne pas être impliqué dans ce processus de traduction? Alors, il y a moins d'une semaine, je me suis posé la question, vraiment. Au début, je ne me l'étais pas posé du tout, je me suis dit, si ça intéresse un éditeur, il fera le travail, il engagera un traducteur et moi j'aurai un droit de regard. Donc, c'est-à-dire je lirai le texte et je dirai si je suis d'accord ou pas d'accord sur certaines choses, sur certaines tournées. Mais je commence sincèrement à me poser la question de est-ce qu'un jour il va y avoir un éditeur qui va le traduire en arabe. Parce que j'en ai rencontré en fait quelques-uns à Tunis qui m'ont dit « Ouais, tout de suite, on va faire les choses et on va faire les choses et on va faire les choses. » Et en fait, après, plus rien. En fait,
Donc j'ai commencé vraiment à douter de leur volonté. Et c'était voilà, j'en ai pas discuté avec 36 000, mais il n'y a pas 36 000 maisons d'édition en Tunisie non plus. Donc j'ai su, au bout d'un an de silence, que certainement le projet était tombé pour eux à l'eau, quoi. Parce que c'est l'année où il faut le traduire, entre guillemets. C'est l'année où on en parle, c'est l'année où il a eu le prix, les rencontres, etc. Donc ça avait du sens à ce que le projet soit lancé cette année. Et donc face à ce grand silence, j'ai commencé à me dire, est-ce que je le traduirai pas? Est-ce que voilà, je n'irai pas jusqu'au bout? Est-ce que je le traduirai pas? Je répondrai à cette question peut-être dans les mois à venir, mais en tout cas, je me rends compte, en me la posant, de la difficulté de ce que c'est que traduire. Traduire, ce n'est pas écrire, hein. C'est vraiment un vrai métier, il faut connaître vraiment parfaitement les deux langues. Alors moi, malheureusement, mon niveau d'arabe, depuis que j'ai quitté la Tunisie et depuis que je lis moins en arabe, malheureusement, j'ai régressé. Hein. Y a pas de... C'est la pratique qui fait le succès. Hein. Malheureusement, ben, je pratique moins. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de super livres à lire. Si on a envie de lire un super livre en arabe aujourd'hui, il faut aller piocher dans les années 90, dans les années 80 et même plus loin. D'actualité aujourd'hui, malheureusement, et je me trompe peut-être, je ne trouve pas quelque chose qui me plaît. Il y a un livre dont j'ai entendu parler, il est peut-être traduit en anglais, qui s'appelle Frankenstein de Bagdad. Non, vous n'en avez pas entendu parler? En fait, c'est le seul livre là récent qui est apparu récemment, écrit en arabe, qui m'a donné envie de lire, et je ne l'ai pas encore trouvé, j'espère que je vais le trouver bientôt. Et en fait, l'histoire, c'est quelqu'un qui ramasse des morceaux de corps humain sur différents lieux d'attentats à Bagdad. Parce que vous savez, à Bagdad, il y a un attentat le matin, un attentat le soir, un attentat le lundi, un attentat le mardi, c'est leur pain quotidien. Donc en fait, il va dans des lieux d'attentats, il ramasse des membres et il en a fait un Frankenstein. Et le livre s'appelle « Le Frankenstein de Bagdad ». Et voilà en fait un type de texte contemporain qui parle de la société actuelle qui, moi, me donne envie de lire. Il y en a d'autres, beaucoup moins. Mais est-ce que moi, je serais capable de traduire mon livre? Il faudra certainement que je fasse... que je réactualise, que je revoie mon niveau, etc., avant de me lancer dedans. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un traducteur qui s'en occupe. Je voulais juste savoir si votre éditrice procède à une certaine censure dans ses publications, parce qu'il s'agit de deux visions différentes, publier en Europe et publier en Tunisie. Et la deuxième question, pourquoi l'ingénieur que vous êtes, au lieu de verser dans la fulgurante technologie, a préféré, je ne sais pas si, la littérature? Alors, en fait, mon éditrice ne pratique pas du tout de censure, au contraire. Vraiment au contraire, j'aime dans mon second livre, un chapitre où il y a une scène de sexe assez particulière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Vraiment, hein? Le sexe des abeilles. Non, non, non. Ça, j'ai pas vu de vidéo. C'est quoi l'excitant, quand même? Je sais pas s'il y en a, mais je cherche. Non, mais en fait, dans mon second roman, qui s'appelle La Sérénade d'Ibrahim Santos, il y a une scène qui se passe dans un restaurant, en fait, qui finit en orgie. Ça n'a pas forcément de lien direct avec le livre. Moi, j'aime bien insérer dans mon livre ce que j'appelle, moi, des apartés. C'est-à-dire, voilà par exemple le petit verset du Coran que je vous ai lu, c'est un aparté, ça n'appartient pas au livre, mais c'est un texte en périphérie du livre qui a eu une relation avec le livre à un moment donné. Et donc en fait, j'ai écrit un aparté dans mon second roman, et en fait, c'est une scène de sexe un peu folle qui se passe dans un restaurant et qui part de rien en fait. Voilà. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question de l'inclure ou pas dans le récit.
Sachant que, comme je vous ai dit, elle n'a pas de corrélation directe avec le texte, mais pour une personne qui a envie de réfléchir au sens de cette scène-là, ben, il va comprendre comment elle s'insère dans le roman. D'accord ? Et je lui ai dit, écoute, Elisabeth, je ne suis pas forcément sûr de ce chapitre-là, il est peut-être un peu trash, il n'a pas de lien avec le bouquin directement, en tout cas, ce n'est pas visible au premier abord, je vais l'enlever. Elle m'a dit, non, non, tu n'enlèves rien du tout, on garde tout. On garde tout, même si c'est du sexe trash, pour une société tunisienne, il faut... On sait tous que tout le monde fait tout, partout dans le monde. Tout est une question de tabou, pas une question de « on ne fait pas hein. ». Donc la personne qui n'a pas envie d'entendre, bah, qu'elle se bouche les oreilles. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, elle, c'est pas elle qui va boucher pour les autres. Hein. Donc voilà, donc, elle publie tout. Au contraire, c'est vraiment une force de la voir parce que... voilà, elle incite. Elle incite, moi, plusieurs fois, elle m'appelle, elle me dit parce que on en l'entend, j'ai pas réussi à écrire. Hein. Elle m'appelle, elle essaie de me relancer, elle essaie même de me donner des idées, mais des idées les plus révolutionnaires qui soient. Hein. Donc voilà, elle est plutôt dans la castagne. Alors, et l'ingénieur que je suis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Ben, en fait, moi j'ai commencé comme étant... un lecteur, depuis que j'étais enfant, j'étais passionné par la lecture. Et ce que j'aimais lire aussi, c'était les récits des découvertes scientifiques. J'étais vraiment très impressionné par les personnes qui arrivaient à décrypter le monde, à le démystifier. Moi qui viens d'une culture en fait où il y a plein de mysticisme, il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu, tout se passe, il faut dire des choses, il faut prier, etc. Donc en fait, on a l'impression que le monde est une fatalité. Et les gens qui ont réussi à décrypter le monde et à dire qu'il n'y a rien qui ne s'explique pas, hein, et ben moi ça m'avait fasciné quand j'étais enfant. Et j'avais envie d'approfondir ces connaissances. Mais j'étais à un moment donné déçu de la science quand j'ai découvert qu'elle pouvait être appliquée, en fait. Et qu'elle avait le destin d'être appliquée, en quelque sorte. En fait, je suis... Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, moi, j'aimais bien les aspects peut-être un petit peu théoriques. Mais quand je suis rentré, j'avais quel âge ? J'avais 18 ans, je suis rentré dans un labo de chimie. C'était le premier mois de mes études d'ingénieur. Le professeur nous disait, bon, aujourd'hui, on va fabriquer le parfum de la banane. J'ai regardé à droite et à gauche, il n'y avait pas de banane. D'accord ? Et on allait quand même fabriquer le parfum de la banane. Donc on a pris des trucs, on les a mélangés, on les a chauffés, on les a égouttés, etc. Et au bout d'une heure et demie, il nous disait santé, et on a santé le truc, et en fait, ça sentait la banane. Et il nous disait, cet illustre professeur nous disait, ben ça, c'est avec ça qu'on parfume les yaourts que vous achetez au supermarché. Mais moi, en fait, dans les pubs que je regardais des yaourts à la banane, que je voyais à la télé, il y avait une vraie banane. Et même sur l'emballage, il n'y avait pas écrit, il n'y avait pas ma photo en laboratoire avec un truc. Hein, il y avait une vraie banane. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. On a... C'est vraiment symbolique, hein, ce que je raconte, mais... la science appliquée peut être très rapidement pervertie pour des fins mercantiles. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout satisfait, si vous voulez dire, de la carrière d'ingénieur que je suis en train de mener, parce qu'elle n'est pas épanouissante. Et heureusement qu'il y a les littératures pour me donner du sens, parce que sinon, je pense que je me serais pendu depuis longtemps. Tu parles dans le livre des abeilles que tu appelles les filles. Est-ce qu'il y a ici une analogie avec la situation des femmes et des filles qui se trouvent dans une situation où elles se sentent les vraies victimes de ces ennemis ? Je vais dire non. Je vais dire non parce qu'en Tunisie, les femmes ne sont pas victimes.
Et partout d'ailleurs dans le monde, hein, je le pense. En fait, j'ai écrit 3 romans. Dans ces 3 romans, les hommes sont à un certain moment bloqués, ils ne savent pas quoi faire. Et il y a une femme qui arrive et qui règle tout pour eux. Voilà, c'est comme ça que je vois la féminité, c'est une force. Donc non, ces filles, il les appelle ses filles, il ne connaît pas la paternité, le don, uniquement à travers ces insectes-là. Mais il sait qu'elles ont le pouvoir, et c'est pas... C'est pas pour renvoyer à la femme tunisienne. La femme tunisienne, elle est incarnée dans ce livre-là par Jeannette, qui est une institutrice, comme plein d'autres, comme j'en ai eu dans mon enfance, et qui est une femme qui est capable donc de poursuivre son instinct, d'être têtue, d'aller jusqu'au bout de sa démarche, comme beaucoup de femmes que j'ai connues en Tunisie et qui ont eu ça grâce à l'éducation. Donc quand on retombe sur les moyens de résistance et sur comment on va faire pour s'en sortir, c'est toujours l'éducation. On a eu la chance, jusqu'à un certain point, d'avoir Bourguiba au pouvoir en Tunisie, qui a imposé la scolarité à tous les enfants, filles ou garçons. Et on a eu une génération de femmes formidables. Ma mère était institutrice aussi, j'en connais plein d'autres, des professeurs... des représentantes à l'ONU, vous, voilà. Juste une dernière question, allez-y. Alors, je me demandais s'il y aurait peut-être un jour, ou s'il y a besoin d'avoir une version de l'obscurantisme expliquée aux enfants, tout comme j'ai lu le racisme expliqué aux enfants de Tahar Ben Jelloun dans ma jeunesse. Qu'on devrait attendre 70 ans ou avoir le livre maintenant, sans Asma et les dollars. Alors, en fait, je ne sais pas si on pourra regrouper l'ensemble de la question de l'obscurantisme dans un livre. Je pense que malheureusement, cette chose-là, elle s'actualise, elle prend différentes formes. Aujourd'hui, la domination, elle est faite de cette façon-là. Demain, peut-être, il y en aura d'autres. Je ne sais pas si y a la possibilité d'écrire ça, mais en tout cas, c'est toujours possible de raconter des histoires où justement on le combat. Moi, je préfère passer par l'allégorie, par la fable, que par les manuels. Je préfère amener les personnes à réfléchir plutôt que de leur dire « Tiens, ça c'est arrangé dans telle case, ça c'est arrangé dans telle case ». Donc, je préfère passer par le conte, par l'histoire, par l'allégorie, les abeilles, etc. Et en fait, c'est un livre qui peut être lu par les enfants. Je veux dire, bon, il y a une petite scène où il y a le mot cul, dollar, machin, mais ça va pas plus loin. Et il faut se dire que les enfants, à partir d'un certain âge, ils en savent autant que vous et moi. Hein. Donc, il faut pas non plus se dire, je veux dire, les pré-ados, un mot... ça va pas forcément les choquer dans un livre. Moi, j'ai lu des livres quand j'étais enfant qui étaient un peu plus durs que ça. Et j'en suis sorti avec des choses. Donc, j'ai pas forcément envie d'écrire des manuels ou des trucs comme ça, en me disant que je suis devenu un expert dans le sujet. Je vais plutôt passer à autre chose, certainement à une autre façon de dénoncer autre chose. Quoi ? Comment on le verra dans le prochain livre, mais ça va être toujours des histoires. Yamen Manaï, merci. Merci à vous. Non, je ne peux pas m'empêcher de reprendre le micro. Non, simplement pour remercier vraiment la modération qui était parfaite, les questions, toutes les réponses, c'était très très intéressant. Remercier encore nos partenaires, on est vraiment heureux de pouvoir avoir cet événement ici et de faire vivre nos locaux, et je vous invite tous à y revenir quand vous voudrez pour regarder Télé 5 Monde en français, pour prendre le café ou pour discuter, et vous inviter à procéder à la réception. Et j'aimerais pouvoir aussi dire que j'aimerais croire que
que dans la diplomatie aussi, on peut avoir de la passion. Donc, bon, ça n'est pas limité au domaine littéraire et bien qu'on s'exprime sans doute un petit peu moins bien. Mais bon, l'invitation à la réception. Merci infiniment et on continue la soirée.